Qu'il soit grand, petit, rectangle, voire décoré, la France est folle de ronds-points. Notre pays en compterait 65 000, un record mondial. C'est 7 fois plus qu'aux États-Unis, alors que notre réseau routier est 6 fois moins grand. Mais pourquoi y a-t-il autant de ronds-points en France ? Tout commence à Paris, au célèbre rond-point de l'Étoile. C'est le tout premier rond-point créé en France. Ce gigantesque carrefour, qui débouche sur 12 avenues, est emprunté chaque jour par 110 000 voitures. Redouté des automobilistes, il a une particularité. C'est l'un des seuls ronds-points où la priorité est à droite. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit il y a plus d'un siècle, en 1906, et à l'époque, c'était la règle. Avec cette invention, son concepteur, Eugène Hénard, voulait résoudre les problèmes grandissants de circulation dans la capitale, où se croisent calèches, bicyclettes et piétons dans un désordre total. L'architecte a eu une idée brillante, faire circuler tout le monde autour de l'Arc de Triomphe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec une règle, priorité à ceux qui rentrent. Sauf qu'il y a un hic, personne ne sait quand rentrer ou sortir, et la priorité à droite crée des bouchons à l'intérieur de l'anneau. Résultat, le chaos est total. Et les ronds-points tombent dans l'oubli, car jugés trop dangereux et trop chers. Mais outre-Manche, les Anglais reprennent l'invention d'Eugène Hénard, mais à leur sauce. Dans les années 60, ils instaurent la priorité à gauche, place à ceux qui circulent déjà dans l'anneau. Le rond-point moderne est né. Son vrai nom d'ailleurs, c'est carrefour giratoire, mais vu que personne n'utilise ce terme, on va continuer d'appeler ça un rond-point. Au fait, en parlant de tourner en rond, si vous avez fait le tour des séries proposées par votre service de streaming, pourquoi ne pas utiliser un VPN ? CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, vous permet d'accéder à du contenu uniquement disponible à l'étranger, mais aussi de protéger votre connexion internet. On vous en dit plus à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, continuons notre tour des ronds-points français. D'ailleurs, quels sont leurs avantages ? Contrairement aux feux tricolores, ils ne tombent jamais en panne. Ils fluidifient la circulation continue, forcent les gens à ralentir et surtout, ils permettent d'éviter les chocs frontaux ou perpendiculaires particulièrement meurtriers. La transformation d'un carrefour classique en carrefour giratoire réduit le nombre d'accidents graves de 80%. Bref, tout roule chez les Anglais, alors qu'en France, dans les années 60, on n'y est pas encore. Beaucoup moins bien, forcément. On a beau installer des feux tricolores, ça ne marche pas. 34% des collisions ont lieu à des croisements qui en sont équipés. À cette époque, il y a des ingénieurs, des techniciens qui disent « Tiens, pourquoi on ne pourrait pas appliquer les ronds-points à l'anglaise ?» Il y a des personnes qui disent « Mais ça marchera jamais parce qu'on est un pays latin et le runabout nécessite le fair play à l'anglaise. » Et puis surtout, ça nous obligerait à déroger à la sacro-sainte règle de la priorité à droite. Mais tout change en 1983 avec un décret qui modifie le code de la route. Ce n'est pas un poisson d'avril. La priorité à gauche va devenir une réalité à partir du 1er mai. À partir du 1er mai, quand vous voyez ce signe, laissez passer les véhicules qui sont déjà sur le carrefour giratoire. De là démarrera la nouvelle génération des giratoires qui ont déferlé sur tout notre territoire national. Je crois pouvoir dire qu'il y a eu un vrai effet de mode. C'était un élément, pour ainsi dire, de modernité, quoi. Pourquoi les autres en ont et pas nous ? Et l'un des tout premiers à les adopter, c'est Jean-Marc Ayrault. À l'époque maire de cette commune de Loire-Atlantique, il part au Royaume-Uni observer les ronds-points à l'anglaise. Conquis, il en installe partout dans sa ville. Mais la championne des ronds-points, c'est Nantes, où Jean-Marc Ayrault a d'ailleurs été maire pendant 23 ans. Ici, les ronds-points s'enchaînent par 2, par 4 et même par 8. La métropole nantaise compterait près de 1000 giratoires pour 1300 intersections. Et pour certains, ça va trop loin. C'était inutile surtout. Inutile ? Ah ouais, complètement. Ça a créé plus de bouchons qu'autre chose. Mais force est de constater que ça marche. En 15 ans, la métropole a divisé le nombre de collisions par 3 et le nombre d'accidents corporels est passé de 600 à moins de 200 par an. Ok, les ronds-points, ça marche très bien. Mais à quel prix ? Chaque année, la France dépense près de 5 milliards d'euros dans les carrefours giratoires. En moyenne, un rond-point coûte entre 100 000 et 1 million d'euros. Ce qui coûte énormément, c'est tout le travail routier nécessaire pour déformer les voies pour qu'elles viennent bien se brancher autour du giratoire. Ce qui peut alourdir la note, c'est également ce qu'on met sur le rond-point. On appelle ça l'arc giratoire et ça donne des choses comme ça ou comme ça. Le rond-point de la saucisse à Montpellier, qui est censé être un hommage au philosophe chinois Confucius. Ou ses 16 clous, plantés dans un rond-point à Rugles dans l'Eure. Et le prix de ses œuvres peut faire grincer des dents. A votre avis, combien a coûté cette sculpture ? 1,5 million d'euros. Pareil pour le rond-point de l'espace, star de ce clip de Philippe Catherine.
Décorés ou non, les ronds-points sauvent des vies, et plusieurs pays européens l'ont adopté, comme l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. Mais ailleurs, le giratoire n'a pas toujours la cote. Au Japon, par exemple, il n'y en a quasiment pas. Aux États-Unis, certains États comme la Floride l'ont timidement adopté, mais le rond-point reste encore majoritairement boudé. Pourquoi ? Principalement pour des raisons culturelles. Habitués aux routes parfaitement rectilignes, les automobilistes américains ont peur des ronds-points. Keep turning, keep turning. Car ils ne savent pas du tout comment les prendre. La preuve. Les Américains préféreraient les feux tricolores qui leur donnent la sensation d'être en sécurité. Le vert, c'est ok, le rouge, non. Simple. Selon une étude, 68% des Américains sont contre les ronds-points. Mais une fois qu'ils sont installés, ils changent d'avis et ils sont 73% à en avoir une bonne opinion. Comme quoi, tout est une question d'habitude. Le nombre de ronds-points a d'ailleurs doublé aux États-Unis ces 20 dernières années. Mais en matière de giratoire, pas sûr que l'oncle Sam réussisse à nous rattraper.